sens infini de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oui, c'est par la grâce de l'Éternel des armées que je suis sauvé et que toi aussi tu es sauvé. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous voulons parler un peu de l'éveil spirituel. Le livre de Matthieu 25, le verset 13 nous dit « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Mon frère, ma soeur, toi et moi, nous devons veiller. Veiller juste parce que nous ne savons ni le jour ni l'heure. Nous ne savons pas l'heure à laquelle la trompette va sonner. Mais quand on parle de la trompette, les gens se disent, non, bon, quand c'est une trompette, bon, ça va sonner pour tout le monde. Oui, la trompette va sonner pour tout le monde. C'est une prophétie, ça doit s'accomplir, il n'y a rien à faire. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Toi et moi, nous ne connaissons pas ce temps. Mais si la trompette générale, la trompette collective ne sonne pas encore, mais nous constatons qu'il y a des trompettes individuelles qui sonnent. Les gens quittent la terre individuellement. Tu connais le jour de ta naissance, mais tu ne connais pas le jour de ton décès. C'est pourquoi je t'appelle. Ne sois pas seulement un chrétien du dimanche. Ne sois pas un chrétien qui s'habille, qui va à l'église les dimanches et bon, qui dit, bon, moi, j'ai aussi rempli les conditions pour être chrétien. Non. Examine ta vie. Vérifie ta vie. Vois si ta vie est conforme à la vie de Jésus-Christ. Ne te compare pas à un homme de Dieu. Ne te compare pas à un frère en Christ. Ne te compare pas à une sœur en Christ. Compare-toi à Jésus-Christ de Nazareth. Vois si tu ressembles à Jésus. Mon frère, ma sœur, je t'exhorte à garder la foi. Je t'exhorte à garder la foi. Commence pas à marcher dans la sainteté. Le diable n'a pas peur de toi parce que tu vas à l'église. Non. Le diable n'a pas peur de toi. Non. Non, 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 non. Lui, il s'en fout de ça. Non. C'est-à-dire, il peut te laisser aller à l'église matin, midi, soir, 24 heures sur 24. Il peut te laisser aller à l'église hein, 7 jours sur 7, 52 semaines sur 52 semaines, 365 jours sur 365 jours. Ça, là, ça ne lui dit rien. Parce que beaucoup vont à l'église et sont toujours encore dans ses liens. Ça, là, c'est-à-dire, lui n'a pas peur de ça. Mais il a peur lorsque le chrétien s'engage dans la sainteté. Il a peur lorsque le chrétien, c'est-à-dire, prend la décision ferme de ne pas être seulement un chrétien, mais être un petit Christ. Lorsque tu t'engages dans la vérité, lorsque tu dis oui, c'est assez, je ne veux plus marcher dans les ténèbres, je veux vivre dans la lumière, je veux suivre Jésus-Christ qui est la lumière, moi-même je dois marcher dans la lumière. Et tu dis c'est assez au mensonge, c'est assez au vol, c'est assez à la cupidité, c'est assez aux calomnies et à l'hypocrisie, c'est assez à ceci, c'est assez à ça. Tu dis non, je ne veux plus commettre l'adultère, non, je ne veux plus m'assumer, non, je ne veux plus faire ceci, je ne veux plus faire ça. Lorsque tu te débarrasses de tout ça, tu fais le dépouillement, tu abandonnes les boucles d'oreilles, tu abandonnes les chaînes, tu abandonnes les trucs. C'est-à-dire, tout ce que l'Éternel des armées a refusé, tu abandonnes tout ça et tu t'engages vraiment sur le chemin de la vie éternelle. C'est en ce moment le diable a peur. Parlant des boucles d'oreilles, beaucoup ne croient pas à cela. Lisez très bien le livre des autres, vous allez voir. Lisez très bien le livre de Genèse, vous allez voir. Ça, c'est le dépouillement du corps. Et l'autre maintenant, c'est le dépouillement du cœur. Voilà. Il faut se dépouiller à l'intérieur et à l'extérieur. Beaucoup aujourd'hui, regardez, en allant à l'église, ne font que se maquiller, porter boucles d'oreilles, blélé, porter chaînes, blélé, pour aller faire quoi? On revient à la maison, on enlève encore tout. C'est de l'orgueil. Ce sont des dieux étrangers. Mon frère, ma soeur, le Seigneur t'aime. Si tu es encore vu aujourd'hui, c'est parce qu'il ne veut pas que tu ailles en enfer. Repens-toi sincèrement. Abandonne le péché complètement. J'étais aussi comme ça. J'étais dans le monde, allant à l'église, mais continuant pas à commettre l'impudicité, continuant pas à commettre l'infidélité, continuant pas à être dans tout. Mais la grâce de l'Éternel m'a sauvé un jour. J'ai abandonné ces choses. Aujourd'hui, je dis merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce que tu m'as sauvé. Et si je mourais en temps, les gens vont penser que oui, les chrétiens vont à l'église, ils prient bien, ils prêchent bien, mais je serai en enfer. Si je mourais dans ces péchés-là,
C'est l'enfer direct, il n'y a rien à faire. Mais la grâce de l'Éternel m'a sauvé. Il m'a levé de la boue, il m'a lavé. Il peut aussi te le faire. Prends la décision de le suivre. Il va t'aider. Ce n'est pas par ta propre force, non. Mais si tu décides, si tu veux vraiment, l'Esprit de Dieu va t'aider. Et tout ce qui était des gains pour toi, tu vas les regarder aujourd'hui comme une perte. C'est-à-dire les choses dans lesquelles je me retrouvais avant et quand je commettais ça, là, j'étais à l'aise, mon corps est à l'aise là. Aujourd'hui, c'est de la boue. C'est de la pure boue pour moi. Tu ne peux pas me dire aujourd'hui de faire ci, de faire ça et je serai content. Je ne peux pas. Avant, j'étais un chrétien pauvre. Et quand je trouve de la boue, c'est en ce moment que je me baignais bien dedans. Tu peux me laver n'importe comment. Si je ne trouve pas de la boue, quelque part où je peux me saler, je peux bien me laver dedans, là, je ne suis pas à l'aise. C'est ça. Il y a aussi des chrétiens chiens. Des chrétiens chiens, quand ils vomissent quelque chose, là, ils vont encore tôt ou tard les avaler. C'est ça. Tu renonces à quelque chose aujourd'hui, demain tu reprends. C'est ça. Nous ne devons pas être des chrétiens pauvres. Nous ne devons pas être des chrétiens chiens. Non. Mais nous devons être des chrétiens brebis. Regardez une brebis. Une brebis qui est lavée. Si jamais par erreur, cette brebis tombait dans la boue, cette brebis va commencer par crier parce que ce n'est pas sa nature de rester dans la boue. Aujourd'hui, maintenant, les chrétiens, il y a certains chrétiens, c'est quand ils sont dans le péché qu'ils sont à l'aise. Quand ils ne commettent pas l'adultère, ils ne sont pas à l'aise. Il faut qu'il y ait une femme dehors. Il faut qu'il y ait une maîtresse quelque part. Et aujourd'hui, les chrétiens sont devenus, beaucoup de chrétiens, excusez-moi, sont devenus insensibles au péché. Ah! Oh Seigneur Jésus, beaucoup de chrétiens sont devenus insensibles au péché. Ils sont dans le péché, mais ils prient. En temps normal, si tu es chrétien, que tu pèches là, lorsque tu vas te mettre sur tes genoux, tu vas constater que le ciel est fermé. Et en ce moment, tu vas chercher à te repentir complètement. Aujourd'hui, maintenant, les chrétiens sont dans le péché et ils prient correctement. Ils sont dans le péché. C'est pas qu'ils... Non. Ils sont dans le péché, mais ils prient correctement. Ils peuvent prier pendant des heures. Pas dans l'intention d'abandonner le péché, mais de supplier l'Éternel pour qu'il le pardonne. Non, hein. Il est dans le péché, mais il demande fort. Il est dans le péché, mais il dit à Dieu, tu dois me faire ci, tu dois me faire ça. Abomination. C'est de l'impureté. C'est de la folie. Que de rester dans le péché en tant que chrétien. Hein? On ne peut pas distinguer aujourd'hui un chrétien d'un païen. On n'arrive pas à dire oui, celui-ci c'est un chrétien, celle-ci c'est une chrétienne. On n'arrive pas à dire ça parce que tout ce qu'on voit chez les païens, on voit tout encore chez les chrétiens et les chrétiennes. Oh Jésus-Christ de Nazareth, sauve ton peuple. Sauve ton peuple, Seigneur. Souviens-toi de ton alliance, Seigneur Jésus. Souviens du sang versé à la croix, Seigneur Jésus. Et sauve ton peuple, touche les cœurs. Les cœurs sont devenus durs. Les chrétiens volent sans se soucier de quoi que ce soit. Des gens volent et disent qu'ils vont payer de la dîme dedans, ils vont donner des offrandes dedans. Dieu n'a pas besoin de ton argent, mon frère, ma soeur. Si tu mourrais aujourd'hui, à l'instant où tu écoutes cette parole, si tu mourrais dedans, là, c'est l'enfer. Dieu n'a pas besoin de ton argent, il a besoin de ta repentance. Il a besoin de ta repentance. C'est pourquoi il est dit dans 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4, là, on doit vraiment faire attention. Le tout ne suffit pas d'aller à l'église, mon frère, ma soeur. 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Tu vas à l'église, tu ne te sanctifies pas. Esprit, âme et corps, c'est Dieu. C'est-à-dire, c'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. Tu vas à l'église, mais tu ne te sanctifies pas. C'est de n'importe quoi. C'est pas bien dit. Que, il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Tu vas à l'église, mais tu ne t'abstiens pas de l'impudicité. C'est grave. Nous sommes dans le dernier temps. Je vous assure, nous sommes dans le dernier temps où le diable s'est levé pour empêcher la majorité des chrétiens à aller au ciel. Je vous dis la vérité. Pourquoi? Il met tout ce qu'il faut. Il a doublé ses gardes. Il a doublé sa ruse pour amener les chrétiens à aller en enfer. Oui, tu vas croire que oui, dans mon église, il y a les miracles. Dans mon église, il y a ceci, il y a ça. Mon frère, est-ce qu'il y a la sainteté? Est-ce qu'il y a le dépouillement? Est-ce que vous avez abandonné le monde? Aujourd'hui, les chrétiens s'habillent comme des païens. Aujourd'hui, les chrétiens s'habillent comme des païens. Si tu vois un chrétien s'habiller
Non, là, Rondo, nous voyons. Tu vas te dire, mais il est chrétien, il se pose la question. Il ne manque pas les cultes. Il va à l'église, il écoute la parole de Dieu. Oui, je ne refuse pas. Il y a de la parole de Dieu authentique dans ton église. Maintenant, regarde, est-ce que cette parole de Dieu, ça dit, arrive à vous transformer? Le royaume de Dieu n'est pas seulement en parole, mais en puissance. Il y a une puissance transformatrice dans la parole. Il peut y avoir la parole sans la puissance. Si la puissance n'accompagne pas la parole, c'est inutile. C'est du vent. Tu vas écouter la parole, oui, tu vas dire, ah oui, c'est la parole de Dieu, vraiment, c'est bon, hein. Aujourd'hui, l'homme de Dieu a bien prêché. Quel effet cela a dans ta vie depuis que tu vas à l'église, là? Cette parole a quel effet dans ta vie? Quel changement tu as vu? C'est ça, mon frère, ma soeur. C'est pas fini, dit. Que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Combien parmi les chrétiens aujourd'hui marchent dans la sainteté et dans l'honnêteté? Mensonge par ci, mensonge par là, vol par ici, vol par là, cupidité par ici. Et ce qui est mauvais aujourd'hui là, on voit les chrétiens renvoyer leurs femmes pour prendre une autre. Oh Seigneur Jésus, on voit les chrétiennes divorcées, abandonner leur mari pour aller chez un autre. Yéke, à la fin des temps, il y aura tout. Je vous assure. À la fin des temps, là, il y aura tout. Il y a des hommes de Dieu qui ne vont pas divorcer, qui ne vont pas abandonner leurs femmes, mais qui auront des maîtresses. Il y aura tout. À la fin des temps, oui, le dernier temps sera chargé. Le dernier temps sera chargé d'iniquité. C'est pourquoi on dit, lorsque vous verrez, hein, dans le lieu saint, l'abomination dont a parlé le prophète Daniel, que celui qui lise fasse attention. Toi qui écoutes cette parole ce matin, fais attention. La trompette va sonner. Si la trompette générale, la trompette collective n'a pas encore sonné là, mais la trompette individuelle sonne. Chacun quitte doucement, doucement de ce monde. Il ne faut pas attendre la trompette générale. On dit Jésus revient. Et depuis là, Jésus n'est pas revenu. Si Jésus-Christ revenait là, toi tu irais au ciel. Regarde ta vie. Tu devrais même dire Seigneur, merci parce que tu n'es pas encore revenu. Regarde ta vie. Moi-même, je regarde ma vie et dis Seigneur, si tu revenais là, j'irais en enfer. Oh, Dieu, merci, tu n'es pas encore venu. Parce que j'étais dans l'infidélité conjugale. Ça dit, oh, je t'assure, j'étais dans l'impureté. Hein? J'étais dans la saleté complète. Mais le Seigneur m'a sauvé. Il peut aussi te le faire. Il peut aussi te le faire. Jésus-Christ n'est pas venu pour les justes. Il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour sauver ceux qui sont perdus. Si tu reconnais effectivement que tu es perdu, si tu reconnais effectivement que tu es une brebis perdue, une brebis éloignée de Dieu, une brebis qui n'est pas dans la bergerie, le Seigneur va te sauver. Mais si tu vois que tu es déjà bon, tu vois que non, tout est déjà nickel à ton niveau là, tu vas rester dans ton péché, mourir dans ton péché. Que Dieu te sauve. C'est ça. Beaucoup ont confiance dans leur église. Dans mon église là. Dans mon église là. Ton église, c'est ton église, Dieu veut. Tu sais ce qu'on appelle l'église? Église là, c'est l'assemblée des croyants. L'assemblée des croyants, ce n'est pas le local là où tu viens pour adorer le Seigneur, bien pour prier, bien pour chanter là. Ce n'est pas là l'église. Hein. L'église, c'est l'ensemble des chrétiens. On dit, dans mon église là, il y a ci. Dans mon église là, il y a ça. Dans mon église là, il y a délivrance. Dans mon église là, il y a repentance. Dans mon église là, il y a sanctification. D'accord, il y a délivrance. Toi, tu es délivré, tu te comportes comme ça. Tu es délivré. Tu es sûr que tu es délivré. Regarde comment tu te comportes. Regarde comment tu réagis. Regarde comment tu vis. Regarde ta vie, examine ta vie. Mets un miroir devant toi et regarde toi-même. Regarde toi-même. Celui qui est délivré, là, c'est comme ça qu'il se comporte. Tu dis qu'il y a la repentance dans ton église. Depuis qu'on est en train de prêcher la repentance dans ton église, là, quel est ce jour-là où toi tu as pris un moment pour réfléchir et dire, Seigneur, je ne veux pas demeurer dans cet état jusqu'à la fin de ma vie. Il y a repentance. Toi, tu t'es repenti. Hein? Tu t'es repenti. Il y a repentance dans ton église. Toi, tu t'es repenti. Regarde ta vie.
Les gens disent qu'il y a délivrance dans mon église. Tu te masturbes, tu dis qu'il y a délivrance dans ton église. Hein? Ce n'est pas un esprit impur qui est en toi. Ce n'est pas pour cela que tu mens. Hein? Quand tu n'arrives pas à pardonner les gens, tu ne sais pas que c'est tu. Tu ne sais pas que tu es possédé. Hein? Lorsque tu n'arrives pas à dire la vérité, tu ne sais pas que tu as les ténèbres en toi. Tu dis qu'il y a délivrance. Il y a délivrance dans ton église, mais toi, tu es délivré. Il y a repentance dans ton église. Est-ce que toi, tu t'es repenti? C'est pas il y a ceci dans mon église, quel est le problème? Est-ce que toi, là, est-ce que tu as vu l'effet? C'est ça. Même s'il y a ça dans ton église, là, toi-même, là, parle de toi-même. Si le Seigneur venait aujourd'hui à fouiller ta vie, est-ce qu'il va encore trouver les souillures dedans? C'est ça, c'est de ça il s'agit. Il ne s'agit pas de dire je suis chrétien. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça, mon frère, je te dis la vérité. Regarde, tu as vu aujourd'hui. Tous ceux qui se sont couchés hier n'ont pas vu aujourd'hui. Ce n'est pas plus grâce que tu as vu. Mais sache qu'un jour, tu vas te coucher, tu vas te réveiller ailleurs. Tu vas te réveiller sur la terre. Tu ne verras plus la terre. Tu ne verras plus le soleil. Tu vas te réveiller ailleurs. En ce jour, quel compte tu vas rendre à Dieu? Il est dit dans Hébreux 4, verset 13. Nulle créature n'est cachée devant Dieu. Nulle créature, rien. Qu'est-ce que tu es en train de faire aujourd'hui? Tu crois que personne ne t'a vu? Non, ça c'est rien. Oh, tu te trompes largement. Le diable te conduit doucement en enfer. On dit nulle créature n'est cachée devant lui. Devant Jésus là, rien n'est caché. Celui qui voit la fourmi noire dans la lune noire, sur la pierre noire, dans un trou noir, qu'est-ce que toi tu es en train de faire? Il ne te verra pas. Quand tu regardes à gauche, à droite, avant de commettre quelque chose là, tu t'es caché aux hommes, mais tu n'es pas caché à Dieu. Jésus te tend la main. Il te tend la main. Il sait que tu es en train d'errer. Jésus, tu n'as le foufou avec moi, on garoua dans ma foule, bien ouais. Tends-lui la main aussi. Donne ta main, donne ton cœur à Jésus. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Cesse de cacher ton cœur à Dieu. Il connaît tout. Qu'est-ce que tu vas lui cacher? Quand tu dis que les hommes ne voient pas ce que tu fais là, écoute, est-ce que c'est à des hommes que tu vas rendre compte au dernier jour? Est-ce que ce sont les hommes qui vont t'accueillir au paradis? Le paradis là, ce n'est pas pour les hommes, c'est pour Dieu. Celui qui veut te recevoir au paradis, celui qui va t'ouvrir le portail du ciel là, il voit ce que tu es en train de faire. Maintenant, tu caches quoi? À qui? On dit, nulle créature n'est cachée devant sa face. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Tu vas rendre compte à qui? À Dieu et non à un homme. Et Dieu à qui tu vas rendre compte là? Il est tranquille, il te regarde. Si tu finis là, il faut venir. Je t'attends. Aujourd'hui, tu as la force. Et c'est toi qui te crois le Tout-Puissant. Hein? Tu dis non, Dieu n'existe pas. Non, Dieu n'existe pas. Mais si Dieu existait là, est-ce que Dieu va laisser les gens aller en enfer comme ça? Dieu est miséricordieux. Tu ne connais pas la colère de Dieu. Dieu est miséricordieux. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais il a détruit Sodome et Gomorre. C'est ce que tu ne sais pas. Dieu est miséricordieux. Mais il a envoyé le déluge exterminer la terre. Et c'est seulement 8 personnes qui sont sauvées. Qu'est-ce que tu crois? Ah, fais attention, mon frère, ma soeur. Fais vraiment attention. Fais vraiment attention. Jésus te tend la main aujourd'hui. Jésus te tend la main. Il dit dans Proverbe 1, à partir du verset 22, jusqu'à quand? Stupide! Voilà! Il appelle stupide ceux qui ne veulent pas se repentir. Jésus te tend la main. Jusqu'à quand tu vas rester dans ta stupidité comme ça? Il dit, jusqu'à quand, stupide? Aimeriez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je reprendrai sur vous mon esprit. Si seulement tu peux te retourner tranquillement, humblement, dis Seigneur, d'accord, me voici, je reviens au bas la terre, je me procède devant toi, guide-moi. Oh, tu as gagné, mon frère, ma soeur. Tu as gagné. Il dit, je vous ferai connaître mes paroles. Le Seigneur va mettre sa parole dans ton cœur. C'est-à-dire, aujourd'hui, je regarde et dis, mais donc je pouvais facilement surmonter ces péchés-là. Et avant là, je ne savais pas, je croyais que c'était difficile de surmonter les péchés et autres. Non, si tu donnes ton cœur au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mais ce qui était pour toi des gains,
Tu vas les regarder comme une perte, comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance qui est en Jésus-Christ, à cause de la puissance qui est dans le Saint-Esprit de Dieu. C'est ça. C'est ça, il dit, puisque j'appelle et que vous résistez. Voilà, on t'appelle, tu dis non, non, demain je vais changer. Demain je vais changer. Après demain, là, je vais changer. Son nom rend à Zamé, hein. À en changer, Bédé, hein. Si tu ne prends pas la décision aujourd'hui d'abandonner hein, tes péchés, regarde toi-même, regarde ta vie. Tu n'as pas pitié de toi-même. Tu n'as pas pitié de toi-même. Tu es esclave, esclave, esclave de Satan. C'est ce qu'il te dit de faire que tu fais. Depuis que tu as deux femmes, le Seigneur te dit, partout dans ton église, le Seigneur utilise même des petits-enfants pour te dire que la polygamie là n'est pas bonne. Tu n'as jamais abandonné. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Maintenant, combien de temps tu vas encore rester dedans, dans cette polygamie-là? Tu veux amener les femmes au ciel? Si tu meurs aujourd'hui, là, elle va marier une autre personne rapidement. Et c'est pour cela que toi, tu prends l'engagement d'aller en enfer. Ça ne te fait pas honte, tu réfléchis, tu dis que tu es intellectuel. Ton intellectuel, là, ça ne marche pas. Les intellectuels, là, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Tu préfères aller en enfer à cause d'une femme? Abomination. La parole de Dieu t'appelle stupide. Stupide. Peu s'en fallait, j'allais aussi m'engager sur ce chemin. Peu s'en fallait. C'est le Seigneur qui m'a sauvé par sa grâce. Oui. Puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Le temps arrive. Passe ton temps comme tu veux sur la terre, hein, mon frère, ma soeur. Fais ce que tu veux. Tu peux même ignorer cet audio. Tu peux même effacer ça. Si tu veux là, il faut effacer. Si tu veux là, il faut effacer ça. Mais un temps vient où tu vas chercher Dieu. Dieu va dire, en ce moment-là, je ne réponds plus. Dieu peut te sauver sur la terre, mais après ta mort, là, mon frère, il ne faut pas espérer quelque chose. Écoutez, si on peut se repentir, si on peut vraiment se donner à Dieu. Si, écoute, tu veux aller chez quelqu'un et de ton vivant, là, tu as refusé la personne. Et c'est après ta mort que tu veux aller chez la personne. Ça veut dire quoi, ça? Hein? Où il y a une église où les gens trompent. Ils trompent les gens seulement. Et les samedis, on amène le corps à l'église, on prie sur le corps, on demande la paix à son âme. Paix à ton âme. Quelle paix à ton âme? Tu as cherché la paix de ton vivant. Tu as cherché la paix. Pendant qu'il pleuvait, tout le monde est en train de cultiver. Là. Est-ce que tu as cultivé? Maintenant, la sécheresse vient. Et tu dis que tu veux manger. Qu'est-ce que tu vas manger? Tu ne mangeras pas. Jamais. Tu ne mangeras pas. C'est ça. La parole de Dieu dit, cherche Dieu de ton vivant. Jésus-Christ a dit qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés au fils des hommes, sur la terre, il a dit, c'est pas après leur mort, on dit sur la terre, là, il a le pouvoir de pardonner, et il t'appelle, il dit, quel que soit tes péchés, il dit, venez et plaidons, si vos péchés sont noirs, rouges, ils deviendront blancs comme la laine, ou comme la neige, c'est ça, t'appelles aujourd'hui, mais tu n'as pas les oreilles pour entendre, tu n'as pas les oreilles pour entendre, parce que le diable a bouché tes oreilles, il a bouché tes oreilles, je prie que l'Éternel des armées débouche maintenant tes oreilles. Tu n'as pas l'oreille spirituelle. Tu as l'oreille pour entendre les critiques, les mensonges. Tu as l'oreille pour entendre les commérages. Voilà. Voilà un autre. Un chrétien qui va à l'église, qui prie pendant des jours. Il fait des semaines de prière. Il fait des jeûnes. 3 jours, 4 jours, 5 jours. Une semaine de jeûne et prière. Il quitte là, c'est pour aller regarder feuilleton. Tu n'as pas adoré. Ce n'est pas Dieu que tu adores, mon frère. C'est un esprit qui se présente. Tu penses que c'est Dieu. Je te dis la vérité. Le véritable Dieu, là. Jésus-Christ que moi je connais là, tu ne peux pas être en train d'adorer Jésus-Christ et regarder encore les feuilletons, les dessins animés, ou bien, voilà encore un autre. Les comédies de certains hommes, voilà. Il y a d'autres qui ont signé des pactes avec le diable et ce n'est pas les comédies qu'ils auront de l'argent. Ce n'est pas les comédies. C'est quand eux autres là, ils disent des comédies, des trucs qui font rire là. C'est en ce moment, eux autres, ils trouvent de l'argent, ils vendent leur CD, ils vendent leur album, ils vendent leur truc là. Et toi, chrétien, là, tu te laisses entrer. On dit, Dieu amènera en jugement toute parole, hein, toute parole vaine que les hommes auront prononcée. C'est ça. C'est ça. Et toi, même chrétien, là, tu prends ton temps pour aller écouter ça. Tu n'as pas le temps d'ouvrir ta Bible. Ça fait pitié.
Tu n'as pas le temps d'ouvrir ta Bible, chrétien. Tu n'as pas le temps d'ouvrir ta Bible. Tu n'as pas le temps de lire la parole de Dieu. Tu n'as pas le temps de méditer la parole de Dieu. Tu n'as pas le temps de jeûner, de prier. Mais tu as le temps de rester devant une télévision pendant des heures pour écouter les commérages, pour écouter des trucs ridicules. Tu fais pitié. Puisque vous rejetez, voilà, nous revenons encore dans le problème. Puisque vous rejetez mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Ceux qui n'ont pas les oreilles pour entendre la parole de Dieu aujourd'hui, l'Éternel des armées vous attend. Dieu vous attend, il vous attend. Il vous attend. Lorsqu'on va vous envoyer dans le feu, là, sérieusement, vous allez crier, Dieu, au secours, Seigneur, sauve-moi, on ne savait pas. L'homme riche, là, de son vivant, quand on lui parlait, dans le livre de Luc, on lui parlait, il ne veut pas écouter. C'est un enfer qu'il a crié. Il a dit non, c'est fini. Tu as déjà passé ton temps sur la terre. Il dit, bon, permettez-moi d'aller dire à mes frères de ne pas venir là où je suis. Il dit, non, tu n'as pas besoin de venir. Il y a des gens qui sont sur la terre qui sont en train de dire ça. Il y a quelqu'un, Dieu a choisi quelqu'un ce matin pour te parler. Si tu veux, là, fais ce que tu veux. Si ce que je disais là était déjà des comédies, des choses qui vont te faire rire là, tu ne serais pas énervé. Là où tu es maintenant, là, peut-être que tu es énervé. Qu'est-ce qu'il raconte ce petit là? Qu'est-ce qu'il raconte? Ce petit que je connais dans le quartier qui commettait ceci, qui faisait ça. Oui, je faisais ça, mais je ne fais plus. La Bible déclare que la fin de toute chose est mieux que son commencement. Je peux être un voleur avant, je peux être un adultère, je peux être ceci, je peux être ça avant, je peux être un menteur, je peux être tout avant, je peux être un calomniateur, je peux être tout avant. Aujourd'hui, là, je ne suis plus. Oh, je ne suis plus ça aujourd'hui. Tu peux appeler tous les noms sur moi. J'étais ceci, j'étais ça, j'étais. C'est j'étais que tu as dit, non? Est-ce que tu as dit que je suis? Tu m'as encore vu dedans? Montre-moi une seule chose dans laquelle, une seule chose dans laquelle tu m'as encore vu maintenant. Maintenant, tu m'as encore vu derrière fille de quelqu'un. Tu m'as encore vu dans corruption de quelqu'un. Tu m'as encore vu dans faute de quelqu'un. Tu m'as encore vu dedans. J'étais ça, mais je ne suis plus. C'est la grâce de Dieu qui m'a sauvé. C'est pourquoi j'aime trop cette chanson qui passe. Oui, j'aime trop ça. Mes chaînes sont enlevées. Oui, c'est ça. C'est ça, j'aime trop ça. Oh, Jésus. Jésus m'a racheté. Il dit, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Aujourd'hui, là, c'est toi qui ris, tu te moques de Dieu, tu te moques de Dieu. Un jour viendra, c'est lui qui va se moquer de toi. C'est ça. C'est ça. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. C'est aujourd'hui sur la terre que tu vas appeler Jésus-Christ de Nazareth. Il va répondre, dit mon fils, me voici. Il a dit, ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Parce qu'ils l'ont demandé, pourquoi tu manges et tu bois avec les pécheurs? Il dit, oui, écoutez bien, ce sont ceux qui sont malades qui ont besoin de médecins. Ce sont les pécheurs qui ont besoin de Jésus. Ce ne sont pas les justes. Si tu vois que tu es déjà juste là, va de côté. Nous ne voulons pas les justes. Non. Nous ne voulons pas les justes. Nous voulons ceux qui sont malades. Voilà, nous voulons les pécheurs. Le jour où tu vois que tu es déjà bon, tu es déjà saint. Le jour que tu vois que tu n'es pas pécheur. Le jour que tu vois que c'est fini, toi là. Ce jour-là, tu es mort. Je continue de traiter durement mon corps. Et je continue de pleurer. Je continue de demander pardon à mon Dieu. Non, il n'y a pas ce jour-là. Je vais dire non, aujourd'hui là, je suis saint. Aujourd'hui là, je n'ai pas péché. Qui t'a dit ça? Ce que toi, tu n'appelles pas péché là, Dieu peut appeler ça péché. Si on ouvre tes yeux là, ce que tu ne qualifies même pas de péché là, ça peut être péché. C'est ça, c'est Dieu qui justifie. Gloire à Dieu. On dit, quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront. Les gens vont chercher Dieu. Je vous assure tout. Le temps viendra, ils vont chercher Dieu. Mais Dieu ne va plus leur répondre. Parce que le temps que le Seigneur les a donné de le chercher, là, ils n'ont pas profité de ce temps. Dans Isaïe, on a dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Il y a un temps où on trouve Dieu. Il y a un temps où on trouve Dieu. Si ce temps-là passe, là, c'est fini pour toi. Quand tu es vivant maintenant, là, c'est ce temps. Maintenant, le mal, c'est que tu ne sais pas quand tu vas quitter. Tu ne connais pas la date de ton décès. Tu connais la date de naissance, mais tu ne connais pas la date de ton décès. C'est le mal qui est là. Faut pas jouer à la procrastination. Faut pas rejeter à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Aujourd'hui, là, tu peux prendre l'engagement et dire, bon, c'est vrai. Moi-même, là, je regarde ma vie, là, c'est pitoyable. Est-ce que l'homme peut continuer par voler? Est-ce que l'homme peut continuer par mentir? Est-ce que l'homme... Tu es à la maison, t'appelles, tu dis non, je suis au service. Ta femme t'appelle, tu es chez ta maîtresse là-bas. Là. Ta femme t'appelle, tu dis non, le boulot là, c'est beaucoup.
On est en train de faire des gestes supplémentaires. Quel est supplémentaire tu es en train de faire? Oui, tu es en train de faire des gestes supplémentaires dans le péché. Tu es en train de faire des gestes supplémentaires, effectivement, dans le péché. Oui. On dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, vous appelle aujourd'hui à vous repentir, où que vous soyez. Et toi, tu ne vas pas te repentir, tu es en train de faire des gestes supplémentaires dans le péché. Et tu dis que tu fais un supplémentaire dans ton boulot, que le boulot, là, c'est trop aujourd'hui, là, que... Vous n'êtes pas vu sortir à 18h et que c'est à 22h que vous allez finir. Tu es en train de faire des heures supplémentaires, effectivement, dans le péché. Tu es chez ta concubine, tu es chez ta maîtresse, et elle-même, là, elle est bien assise dedans, elle est bien courageuse. Et tu arraches les maris d'autrui. Oh, le diable va t'arracher, t'amener en enfer. Ce qui me fait pitié, c'est qu'il y a des chrétiennes qui arrachent les maris de leur soeur. Ça fait pitié. Tu sais que c'est ta soeur en Christ. Tu arraches encore son mari. Pour faire quoi avec? Et ce n'est pas qu'il va demeurer permanemment avec toi. Tu sais que c'est une relation temporaire. Ou même si c'est pour toujours là. Hein? Toi-même, tu n'as pas honte. Quand tu vois l'autre là, ça ne te dit rien. Hein? Et on dit tout, on dit que dans notre église, là, il y a repentance. S'il y a repentance là, vous allez vous arracher vos maris, vos trucs là. Il y a repentance dans quelle église? Cessez de vous tromper. Ce n'est pas fini. Alors, ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Les gens ne craignent plus Dieu. On parle de Dieu, oh, pour laisser oh, Dieu comme... Oh. Il va à l'église. C'est tous les chrétiens qui disent ça. Ça me fait pitié. L'autre fois, j'ai posé une question à une foule de gens. J'ai dit, ceux qui sont dans telle chose, là, levez le doigt. Oh, tu vois les doigts en l'air. Ils sont des chrétiens. Hey! J'ai failli couler les larmes. J'ai dit, Seigneur, oh, j'étais comme ça avant. Sauve-les, papa. C'est ça. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Tu vois maintenant? Ils se nourriront du fruit de leur voix. Voilà, la voix que tu as choisie, là, tu vas voir son fruit bientôt. Si tu ne te détournes pas de cette voix. La voie de l'enfer que tu as choisie là. Ou toi, chrétien, tu bois l'alcool comme de l'eau. Et tu dis non, Dieu a dit de ne pas se saouler. Non, Dieu n'a pas dit. On dit, soyez remplis du Saint-Esprit et non du vin. C'est ça, il a encore dit. Il faut bien fouiller les passages bibliques. Un chrétien qui prend de la bière, un chrétien qui prend de flag, un chrétien qui prend de, comment ils appellent ça? Hein? Des boissons, tu ne sais même pas avec quoi on a fabriqué ça. Et toi qui consommes, tu consommes, tu dis non, j'ai pris seulement une bouteille. Tu as dit de ne pas se saouler. Montre-moi le verset dans lequel on a dit de ne pas se saouler, mais de boire un peu. Et les gens font référence au premier miracle que Jésus-Christ a accompli lors d'un mariage. Et vous vous trompez largement. Tu étais là et tu as goûté le vin pour voir s'il y a de l'alcool dedans. Faites beaucoup attention. Ceux qui mentent sur le compte de Jésus, là, faites beaucoup attention. Au portail du ciel, là, vous allez tout voir. Que Dieu te sauve. C'est ça. Ils se nourriront du fruit de leur voix. Ils se rassasieront de leur propre conseil. Voilà. La résistance des stupides les tue. Tu résistes à Dieu, tu résistes. Oh, en Galilée, même pas de y en a à Dieu, et puis vite dit, oh, tu vas mourir. Tu vas mourir. Nous, on a tenté plus que ça, mais on a laissé. Tu vas mourir. Si tu mourais aujourd'hui dedans, là, tu iras où? Regarde. Si ce n'est pas le diable qui te trompe, tu es dedans, là. Tu pouvais laisser ça facilement maintenant. Hein? Mais quand tu vois la personne, là, tu vas la filer. Non, Dieu te dit, ah, oh, et tu as pitié de la fille, tu ne peux pas l'abandonner. Le diable met cette pitié de ta concubine, là, dans ton cœur. Ah, oh, Dieu te dira, salé-les. Tu dis que si je la laisse maintenant là, elle va se perdre. Elle ne compte que sur moi. Elle n'a que moi. Et c'est la deuxième femme. Insensée. Avant qu'elle ne vienne au monde là, Dieu a compté sur toi pour l'amener dans le monde. Insensée. Tu savais que tu vas la voir un jour. Et tu dis, c'est ça. C'est ce que le diable me faisait. Elle nous dit, les blancs nous coûtons. Hein? Ça dit, et comment on va appeler ça en français? Une pitié mortelle. C'est ça. Mortelle.
Toi, tu es en train d'aller en enfer, tu as pitié de l'autre parce que si tu la laisses maintenant, là, elle va souffrir. Si tu la laisses maintenant, là, elle va souffrir. Tu es son Dieu. Tu es son Dieu. Qui t'a dit que Dieu ne veut pas aussi la sauver? Il ne veut pas lui accorder véritablement son propre mari maintenant. C'est toi qui l'empêches d'avoir son propre mari. Et tu penses que c'est toi qui es son mari. Toi, tu veux garder la charge pour aller en enfer. Abomination. Après, tu vas dire que tu es chrétien. Quand on parle à toi, même tu vas parler. Toi, tu peux parler quand on parle. De quel péché, toi, tu t'es repenti? Quand on parle, tu parles. Tu dis que tu es chrétien il y a longtemps. Tu es chrétien il y a longtemps. Tu es chrétien il y a longtemps. Regarde ta vie. C'est chrétien il y a longtemps qu'on veut manger. Les gens peuvent se convertir aujourd'hui, et seront plus agréables que toi devant l'Éternel. C'est ça. C'est ça. La résistance des stupides les tue. Voilà. Et la sécurité des insensés les paie. Tu vois que tu es en sécurité en Jésus, alors que tu es plein dans le péché. Quelle perte de temps. Quelle perte de temps. C'est à cause de toi que même les païens n'arrivent plus à donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'ils voient, ils voient que tu es chrétien, mais tu te comportes mal. Tu te comportes comme eux. Et ils se disent, mais quelle est la différence entre nous? La parole de Dieu dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le monde veut connaître les fils de Dieu. Qui sont les fils de Dieu? À cause de toi, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ est blasphémé partout. Tu seras châtié. Ne te détourne pas de ce péché pour voir. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Aujourd'hui que tu écoutes la voix de l'Éternel, là. Aujourd'hui que tu écoutes la parole de Dieu, il faut te repentir. Il faut te repentir. Et Dieu va te faire reposer avec assurance. Il vivra tranquille, sans craindre aucun mal. Aujourd'hui, je n'ai pas peur de mourir. Je peux mourir aujourd'hui, ça ne me dit rien. Je ne dis pas que je suis juste. Je ne dis pas que je suis sans péché, non. Mais j'ai la paix du cœur. Je sais que l'Éternel me fera grâce. Je ne prends plus volontairement, je ne pêche plus volontairement. Je ne vais plus dans les péchés volontairement. Ce que je sais que ça là, c'est péché là. Je ne mets plus ma main dedans. Je ne mets plus la main dedans. Et je prie chaque fois, je dis Seigneur, même ce que je ne sais pas, révèle-moi que c'est un péché. Si c'est un péché là, révèle-moi ça. Révèle-moi ça, Esprit de Dieu, révèle-moi ça pour que je ne tombe jamais dedans. Je ne veux pas. Quand le diable me dit, tu vas encore faire, il me dit, moi, fous le camp. Je vais encore faire quoi? Je vais tout, il est. Je ne peux pas dans d'autres bénins. Sors, il pour nous bénir de vous. Alors, ton midon, l'aime, rien. Bon, nous, je faisais des trucs, il a dit, mais aujourd'hui, maintenant, je regarde ça comme de la boue. Deuxième Pierre 2, le verset 20. En effet, si après, c'est retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Toi, chrétien qui as déjà abandonné le monde, tu es venu dans le Seigneur, tu as écouté la parole de Dieu. Regarde ta vie est même pire que la vie des païens, ceux qui ne connaissent même pas Dieu. Ai-je menti? Toi-même dis la vérité, ai-je menti? Regarde ta vie est pire que la vie des païens. C'est ça, parce que tu connais la vérité, tu t'es engagé sur le chemin, mais à un moment donné, tu t'es retiré de la lumière, tu es parti dans les ténèbres, le diable va te taper fort. Il va te charger de tous les péchés. C'est ça. Écoute ceci, que le Seigneur te délivre. De son pardon, il m'a envahi. La grâce de l'Éternel est encore là pour toi et pour moi. C'est ça. Ne rejette pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Le Seigneur est prêt pour t'enlever le chêne. Le Seigneur est prêt pour te racheter encore. Il est prêt pour te pardonner toutes sortes de péchés. Voilà. Quel que soit le type de péché que tu as commis, il est prêt. Prends seulement la décision de sortir du péché. Il va t'accueillir dans ses bras. Oui. Grâce est finie. La grâce là, c'est l'esprit qui est sur la terre. Après ta mort là, c'est fini. C'est ça. Jésus t'aime. Grâce est finie. Oh Seigneur, ta grâce est immense. Ta grâce est immense. Ta grâce est immense.
Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je prie maintenant pour mon frère, pour ma soeur, Seigneur, qui m'écoute en ce moment, Seigneur. Je prie, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que tu illumines, Seigneur, leur esprit. Tu illumines, Seigneur, leur cœur, Jésus-Christ de Nazareth, pour qu'ils voient, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la vérité dans ce que je leur dis aujourd'hui, ce qu'ils ont entendu, Seigneur, de ta parole aujourd'hui. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils prennent la décision, Seigneur, de sortir complètement des ténèbres. Qu'ils prennent la décision, Seigneur, d'abandonner le péché. Qu'ils prennent la décision de se repentir complètement. Qu'ils prennent la décision de te suivre toute leur vie, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te prie, lorsqu'ils vont prendre la décision, Seigneur, d'abandonner ces péchés, Seigneur, d'abandonner ces trucs, Seigneur, qui ne sont pas agréables à toi, ceux qui ne te glorifient pas, Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur Jésus, écoute leurs prières, Seigneur, et sauve-les, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tu me l'as fait, Seigneur, tu peux aussi leur faire ça, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ils sont aussi tes enfants, Seigneur, tu as dit dans ta parole, Seigneur, que tu as d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, qu'il faut que ces brebis, tu les ramènes, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, regarde-les. Ils prennent aujourd'hui la décision de venir à toi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'enfant prodigue, lorsqu'il a pris la décision de revenir chez son père le vit de loin, courut et se jeta à son cou. Seigneur Jésus, prends-les dans tes bras, Seigneur Jésus. Lave-les complètement. Toute boue, Seigneur, qui les a déjà éclaboussés, toute boue qui les a déjà salis, Seigneur, lave-les par ton sang, Seigneur. Et revêt-les, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de ton habit, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Revêt-les, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils soient habillés, Seigneur, en robe blanche, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, resplendissante, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te prie, papa. Accepte-les dans ton royaume. Écris leur nom dans le livre de vie, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je sais, Seigneur, c'est ton ennemi qui a fait ça, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour les retenir captifs, pour les retenir encore prisonniers, pour les retenir esclaves, Seigneur. Mais ta lumière, lui, maintenant, aujourd'hui, Seigneur, sur tes enfants, Seigneur Jésus, ramène-les dans ta bergerie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Jésus t'aime.